Yo, genre, c'est ma première vidéo. Une vidéo, c'est un plan à dire. C'est le plus possible que vous avez jamais eu. J'ai essayé de me mettre un trépied, j'ai pu mettre ça des livres. Voilà. Bref, on parle pas de ça. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Un nouveau projet que j'ai fait. Voilà. Et un autre truc que vous avez dû voir passer. Si vous êtes dans la communauté animalière et tout, voilà, si vous suivez des gènes animalière ou des comptes Instagram animaliers ou tout. Vous devez savoir, justement savoir qu'est-ce que je parle, si vous savez. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Je mets un petit, exprès les petits trucs qu'ils ont mis il y a quelques mois sur YouTube, où tu peux changer de partie par. Voilà. Donc, la première partie, c'est donc un nouveau projet que j'ai, je n'ai parlé un peu à certaines personnes. Là, c'est un projet animalier. D'accord. C'est un projet qui sert un peu avec la vidéo que. Avec la l'autre partie que vous allez voir plus tard. Voilà. D'accord. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un aquarium de Beta Splendens. Un aquarium de 20 litres. Voilà. Avec le poisson qui est arrivé hier. Voilà. Ça fait plusieurs semaines que je voulais le faire. Voilà. Voilà, je précise ça parce que. Il y a personne qui a personne ne le sait, voilà. Vous savez personne, voilà. Et je me présente aussi, parce que je vais me présenter, vu que je pense que la vidéo, beaucoup de monde va la voir, vu que certainement dans les hashtags que je vous parlerai plus tard, voilà. Je m'appelle Marne, je sais pas mon vrai prénom, c'est Pierre Bretagne, comme vous voyez là. J'ai 15 ans, et voilà. Je suis un youtubeur gaming principalement, et animalier aussi. Qui est musique et autres, voilà. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà, je me le cache. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, vous avez dû voir qu'il y avait cache, voilà. Parce que je ne fais pas de montage, moi je fais pas, ou très peu de montage. Moi, je fais principalement que le miniature et le poste de vidéo. Voilà. Donc voilà, donc c'est un Beta Splendens mâle, bleu avec les nageoires principales, on va dire, les petites nageoires qu'on voit devant, rouge. Voilà. Voilà, et on a principalement l'idée de. Mettre des crevettes ou tout ça. On peut sûrement mettre une femelle, peut-être, pour qu'il n'y en pas seul et pour potentiellement faire un peu de reproduction, peut-être. Voilà. On verra. Le problème, c'est que, bah, du coup, il y a nouveau sujet que je vais parler tout de suite, principalement. Je cherchais juste quelque chose pour peut-être vous élever un peu plus. Voilà, je vais vous dire maintenant deux parties du sujet. Le petit, c'est la loi, je sais plus comment s'appelle la loi. Plus, je sais pas comment s'appelle la loi. Je n'en parle principalement, c'est sur le thème que je fais. Que j'ai, principalement, sur la chaîne. Si vous avez un peu plus, peut-être. Je vais voir.
arrive. C'est mieux, je pense. Donc c'est une loi de loi qui va être potentiellement être votée le 13 novembre, donc lundi. Voilà. Et qui va être une loi qui va interdire la vente d'animaux soi-disant non domestiques. Donc tout ce qui est nac, poissons, oiseaux, reptiles, insectes, je pose, tout ce qui est vivant dans l'aquarium et terrarium. Terrarium et aquarium. Bref, tout ce qui vient pas de France, en fait. Ou de d'autres pays. Bon, je pense que ça ne tue pas en France. Pour le moment. Même s'il y a des pays qui doivent en avoir, comme ça. Et donc voilà. Je vais vous mettre dans le petit i un youtubeur que vous connaissez peut-être si vous êtes dans la communauté. Zariophilie. Il est peut-être un peu dans le rongeur aussi. C'est Blufaris. Je vous mets le petit. Dans le petit. Je vais mettre une autre chaîne aussi que je suis. Vous devez savoir, vous devez connaître aussi. Bien que j'ai la première chaîne animalière de France, c'est tout pète. Voilà. Le jour où je fais la vidéo, le lendemain, donc demain à 14h, il va faire une vidéo. Et bah, il va faire un live, un court live pour répondre à nos questions, donner plus d'informations et tout. Bref, voilà. Donc voilà. Donc, dans très peu de temps, si la loi est votée. On ne pourra plus acheter de poissons, ni d'oiseaux, ni d'insectes. En fait, tout ce qui est insectes, oiseaux, poissons, reptiles et autres nacs, voilà. Voilà, il y a ça. Le problème aussi, c'est que, il me semble que, bon, je ne suis pas trop sûr, je ne suis pas informé. Je vous invite à aller voir. L'Instagram de Toupette et l'Instagram de Blefaris, vous mettrez ça dans la description. Plus leur chaîne YouTube, voilà. Il y a sorti une vidéo plus hier Blefaris pour expliquer ça, voilà. Donc, je vous invite à regarder ça. Vous pouvez même zapper cette partie-là si vous voulez. Voilà. Donc, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, on a bientôt plus. On aura bientôt plus acheter de. Si c'est de loi et voter le 16. On ne pourra plus acheter de poissons, de reptiles, ni d'insectes et tout. Et par exemple, là, on voit que le bétail, il sort seul. Il me semble que c'est impossible, ou quasiment impossible. Et on ne peut rien faire. Voilà. Et donc, bien sûr, on pourra les garder, mais on ne pourra pas en acheter d'autres. Je ne pense pas en vendre aussi. Donc la question c'est où vont aller les poissons et autres animaux qui sont déjà en vente, dans les animaleries et tout, voilà. Ça je sais plus qu'est-ce qu'il va répondre, vous avez à regarder donc la chaîne, donc comme je vous dis, voilà, je suis pas politicien, je suis pas président, je suis pas présenté par les élections bien sûr, mais je pense qu'il y a un bon nombre de chômage qui va être, voilà. Bref. Je vous invite à aller voir ça. Je vous informerai juste. Donc, je vous invite à faire ça sur Instagram. Vous pouvez faire les autres réseaux sociaux, mettre prendre une photo de votre animal et mettre le hashtag. C'est soit. C'est. Touche pas à mon animal. Voilà, je vais mettre ça dans la description comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, c'est assez court. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo en plus pour cette semaine, bien sûr. Donc, abonnez-vous, likez, partagez en masse, même si c'est pas la meilleure vidéo de la chaîne, je pense. Et donc, je vous dis, flanks.